Ok, bah on va en profiter là. Aujourd'hui, il fait plutôt beau. J'ai envie de faire une petite conduite commentée. Donc, j'ai taxé une moto à un pote. Donc, c'est une 790 KTM. Alors, c'est une moto qui est relativement agréable à conduire. Franchement, je kiffe. Le seul hic, c'est qu'honnêtement, il a mis un échappement. Il fait un bordel. J'ai pas l'habitude de conduire ce genre de véhicule aussi bruyant. Donc, on va aller tout droit. Ça va me permettre de voir si la prise de son est bonne, etc. Donc, on va aller tout droit. Donc, pour le moment, mon feu est au rouge. Alors, vous avez vu là, il y a une plaque qui permet de détecter le véhicule. Donc, si je vais pas dessus, le feu ne passe jamais au vert. Bon, en tout cas, il peut tarder à aller au vert. Wow, ça, elle envoie un petit peu sa machine, j'aime bien. J'ai à peine appuyé sa réponse et là il y a une priorité à droite, je fais attention, j'arrive en petite première roulante. Hop, ça permet de gérer une bonne trajectoire. Là, idem, faut faire attention à être bien dans sa voie. Et là, il y a un virage, bon, on fait l'effort de rester à droite. Vous voyez, la route est pas très bonne à droite. Bon, après, c'est une moto qui est relativement maniable, qui va absorber un peu les choses. On va aller à droite. Donc, je contrôle le rétro. Idem, j'aime pas ces rétros. Oh là là, les rétros bas. Alors, il y a des rétros bas qui sont très bien faits, mais alors sur celle-là, ils sont vachement bas. Et puis, on ne sait pas si on voit vraiment. Si ça va, il se règle. Donc, à la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Donc, là, avant de tourner, bien entendu, je cède le passage aux véhicules qui sont en face. Donc, lui, on va se croiser par devant, mais je fais attention aux véhicules de derrière parce que des fois, ça peut enchaîner. C'est pas parce que vous êtes maniable et agile qu'il faut vous précipiter. Le risque de chute, il est quand même assez important dans ces cas-là. Donc, là, je vais aller tout droit. Je me laisse entraîner par l'allure. C'est une machine qui donne envie d'envoyer un peu quand même. Donc là, je vais tout droit, hop. Je fais attention au véhicule. Voilà, vous avez vu, si j'étais arrivé un peu plus vite, le risque c'est que elle s'engage. Elle n'a pas conscience que moi je peux arriver plus vite, quoi, que ça démarre et tout de suite j'ai une allure qui est assez importante. Donc, pallier à ça, essayez de ménager vos envies de vitesse. Il y a des endroits où vous pourrez rouler un peu plus, où vous pourrez envoyer un peu plus. En ville, c'est absolument pas le cas. J'espère vraiment que le retour son avec le bordel de sa moto, il n'est pas trop mal, mais oh ouais, ça envoie. Ça envoie, et je dis ça envoie, franchement, j'ai quasiment pas appuyé sur. J'ai quasiment pas utilisé l'accélérateur. On va aller faire un petit essai sur un endroit où c'est un peu safe. Là, on va aller tout droit. Donc, je vais rester bien à droite. Avant de sortir, je vais mettre mon clignotant là déjà et je contrôle l'angle mort. Ouais, c'est très très agréable, très fluide. C'est pas brutal. Moi, j'aime bien. La machine est très très maniable. J'ai pas encore testé les freins et tout, mais ouais, si, sans freiner, ça freine déjà très très bien. Ah, il y a un shift done. J'ai à peine posé, mis mon pied déjà sur le sélecteur que déjà c'était en train de. En fait, il y a un shift done up et un shift done. Alors franchement, le shift done up, il sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vitesse, vous avez juste à lâcher l'accélérateur et vous avez vu, je touche pas l'embrayage et ça passe très très bien. Mais vraiment, ça me perturbe ces rétros. Alors, vous avez vu que à peine j'accélère, ça envoie. Faut pas chercher à monter trop. Vous avez vu ici, c'est limité à 70. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très vite fait de monter à 110, 120, 130 en moto. Vous laissez pas absorber par ce genre de délire. Il y a des endroits où vous pourrez vous faire plaisir. La route, ça en fait pas partie. Hein. Donc là, je vais prendre la prochaine sortie clignotant angle mort. Et maintenant, je gère ma sortie. J'ai le regard où je vais. Voilà.
En tout cas, c'est très 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 plaisant de rouler avec cette machine. Hein. Ça donne envie. Voilà, je suis sur le point là de mettre à la recherche d'un nouveau véhicule. Et bah, franchement, cette 90 KTM, vous m'avez conquis en quelques tours de roue. C'est très maniable, la position est très très agréable. Alors évidemment, si vous recherchez une position où vous êtes à l'aise, que vous êtes à l'abri derrière une grosse bulle pour faire des kilomètres sur autoroute, bah, c'est pas la bonne machine parce que vous voyez, il n'y a absolument rien. On se croirait plus en liberté tout seul. Je vais changer de voie. Alors, au prochain giratoire, on va suivre la direction de l'autoroute A10. Donc l'autoroute A10, c'est la deuxième sortie. Je vais donc rester à droite. Vous voyez, il y a des travaux, c'est assez particulier. Là, pour le moment, je peux pas y aller. Bah, c'est pas grave, je m'arrête en douceur. Je peux suivre le véhicule, hop, je redémarre. Alors on va aller chercher quelques petites choses sans aller dans l'exagération. Le but c'est pas de rouler 15 minutes, que je vous dise moi comment je fais, pourquoi je fais comme ça. Pas vous dire forcément que moi je fais mieux que les autres. C'est surtout pour vous donner un aspect un petit peu sécuritaire de comment moi je roule en tant qu'enseignant de la conduite, comment j'apprends à mes élèves à rouler et pourquoi je fais comme ça. À la prochaine intersection, bah on ira tout droit. Vous avez vu, il y a une limitation à 30 encore. Bah, je contrôle mon rétro intérieur, ça me permet de savoir ce qu'il y a derrière. J'essaye de ne pas arriver trop vite. Bon, après, ils exagèrent un petit peu là. Mais en même temps. Donc là, je vais pouvoir y aller après elle. Hop, je la suis. Sans la coller. Par contre, ne collez pas les véhicules. Voilà pourquoi. Là, je vais pouvoir lancer, ben, on va se faire plaisir. Hein. Mais pas trop. J'ai même pas poussé la 3, j'étais déjà à 110. C'est hallucinant. Ben, j'aime pas du tout les rétro bas là. Ils sont vraiment trop bas. La visibilité est pas très bonne. Ça oblige à quitter la route des yeux pour venir chercher la visibilité dans les rétros, c'est pas naturel. Vraiment baisser la tête comme ça pour venir chercher, je trouve ça plus handicapant qu'autre chose. C'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Et en plus, on voit rien du tout dans ces rétros. Là, j'aurais pu louper la voiture qui est en train de me dépasser. Moi, je voulais changer de voie. Bon, j'aurais contrôlé l'angle mort quand même. Voilà, il est un peu mieux réglé. Hein. Donc on va aller à gauche, tiens, angle mort, et je vais changer de voie. Je fais attention au ralentissement du véhicule qui se trouve devant moi. Alors faut pas passer les vitesses un peu trop tôt avec cette machine, elle aime pas trop. Alors au prochain giratoire, ce qu'on va faire, on va faire demi-tour. Donc dès maintenant, je vais commencer à ralentir, je contrôle ce qui se passe derrière. Je vais penser à descendre mes rapports de vitesse tranquillement et à relâcher tranquillement l'embrayage pour pas bloquer la roue arrière, ça c'est vraiment important. Alors maintenant, il y a beaucoup de motos qui sont équipées d'un anti-dribble. Je peux vous assurer, ça peut faire bizarre quand vous mettez un rapport de vitesse qui n'est pas adapté à la machine. Alors, au prochain giratoire, ce qu'on va faire, on va aller tout droit, on va aller chercher une petite route un peu sympa pour une petite boucle. Après, je vais ramener la moto à Alexis. Donc là, bien sûr, je pourrais essayer d'y aller avant le camion. Il n'y a aucun intérêt à démontrer ça le jour de l'examen. Montrez que vous savez être safe, que vous savez prendre la priorité quand vous l'avez, que vous y attachez surtout pas.
Et surtout que bah, y a des moments où vous allez être capable de ralentir et pas créer de danger. Et ça, c'est vraiment important. Donc là, après la voiture, je vais pouvoir y aller. Bah, après celle-ci, du coup. Hop, bah, je démarre tranquillement. Mais surtout, cherchez pas à gagner 3-4 secondes et démontrer que vous êtes une tête brûlée un jour de l'examen. Maintenant, vous pouvez avancer. C'est pas un souci. Mais cherchez pas à en faire trop. Le but de montrer, t'as vu, j'ai pas peur, t'as vu, c'est jamais bon signe. Donc pensez à vos placements, à bien venir chercher les trajectoires de sécurité sans aller dans l'exagération. On roule pas ici. Ici, c'est zone de danger. Hein. Donc vous roulez dans votre zone de trajectoire. Si vous avez besoin d'une explication sur les trajectoires de sécurité, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de faire un laïus là-dessus, une vidéo complète. C'est pas au bout du jour, c'est pas ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est pas au programme. Donc là je vais aller à droite. Non, c'est fermé, donc on va aller tout droit. Vous voyez, hop, route barrée. Même en deux, elle demande à monter à 50. Hein. Là, je suis à 30. Le moteur, il demande qu'une chose, c'est que j'accélère. J'aime beaucoup cette machine. Vraiment, c'est très, très, très agréable. Donc là, quand vous êtes en ville, je vous dirais que les trajectoires de sécurité, faites au mieux. Mais honnêtement, la problématique, bon là, on n'est pas en centre-ville, mais la problématique d'aller chercher des trajectoires en restant là, c'est que les gens ils vont se mettre à côté de vous au bout d'un moment. Donc moi perso en ville je reste au milieu de la route, j'ai ma voie, je prends ma voie, là on fait attention à la voiture, elle m'a vu, merci. Et surtout pas vous attacher à la priorité sur des phases comme ça. Si vous avez l'impression qu'il vous a pas vu, qu'il continue à avancer, bah, arrêtez-vous, hein. Gardez vos jambes, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, hop, on va suivre la route. Moi j'ai mis mon clignotant, mais c'est pas obligatoire. Hein. Et vous avez vu là, pour être vraiment safe, j'ai mis une petite première roulante, ça me permet de mettre un peu d'élan et de gérer ma trajectoire et on va aller à droite. Donc là, ça me permet aujourd'hui également de caler, de voir un peu comment se passe le son. Si le son est vraiment pas bon, j'essaierai de faire un montage audio chez moi en doublant ma voix. Et surtout, ça me permet d'avoir des prises de vue et puis de me dire, tiens, ça faudrait que je le fasse différemment, etc. Parce que ce qui serait bien aussi, c'est que je rajoute une caméra sur le guidon, que vous voyez ma tête quand je la tourne, etc. J'ai plein d'idées. Maintenant, j'en ai qui parfois sont bonnes et parfois j'ai des idées bien pourries. Ça m'est déjà arrivé de tourner des trucs et me dire, oh, ça, je referai pas. Alors. Là, vous voyez, hop, il y a un virage, hop, je me mets à l'extérieur. Et si j'ai la possibilité de prendre de l'allure, ben, j'en profite. Alors, sans s'exciter, parce que vous voyez que à peine j'accélère, on se retrouve déjà à 110. Et j'ai accéléré en 3. Hein. C'est vraiment des machines, il faut comprendre que ça demande beaucoup de retenue. Pour pas passer au-dessus parce que vous avez vu que je joue pas particulièrement, je vais pas et vite on se retrouve à 100, 110. Hein. C'est pas dramatique sur quelques secondes. Prenez l'habitude de pas le faire trop souvent, d'être plutôt tempéré. Il y a beaucoup de moyens de s'amuser en moto, de s'éclater sans aller vite. Il y a des endroits où on peut rouler et se faire plaisir sans forcément mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'allure. Et il y a surtout des endroits qui sont adaptés à rouler en sécurité. Je sais pas, faire du cross, du trial. Le trial, vous prendriez des sensations sans forcément aller vite. Et franchement, vous apprendriez des choses qui vous permettraient d'être un motard très, très, très à l'aise, notamment en ville. Hein. C'est-à-dire que vous seriez capable de gérer des ralentis en équilibre, vous imaginez même pas l'aisance que vous pourriez avoir.
et tout simplement même sur circuit. Ça, c'est une machine qui peut être drôle sur circuit. C'est pas une machine qui est typiquement prévue pour, mais honnêtement, il y a de quoi se faire très très plaisir sur circuit. Après, le peu que j'en ai essayé, on n'est pas loin d'une moteur d'une sportive. En tout cas, il y a des sportives qui pourraient mettre au placard. Et j'ai à peine accéléré, donc j'imagine très bien que le reste de la réserve est encore très puissant. Donc là, on a un giratoire, je vais aller tout droit, donc je contrôle derrière, toujours facile avec les rétros en bas. Je reste bien à droite, gère bien ma trajectoire, je mets mon clignotant et je contrôle mon angle mort. Alors, sur des ronds giratoires qui seraient plus petits, n'allez pas chercher l'angle mort, gérez votre trajectoire, mettez votre clignotant. Sur plus petit, ça devient compliqué, ça devient inutile. Le temps que vous fassiez l'angle mort, vous êtes déjà sorti. Donc, n'hésitez pas à jouer avec votre moto, à la laisser aller, à danser avec quoi. La route, c'est sympa. En moto, pour ça, c'est que vous avez la possibilité, la faculté de vous déplacer sur la route, de jouer, d'incliner la moto, de la laisser partir, de jouer avec votre contre-braquage sans pour autant mettre trop de rythme. Vous avez vu, là le panneau il est à 50, je suis à 60, tac, je laisse descendre petit à petit, j'ai même pas freiné, je roule même à 3 pour pas avoir trop de... parce que la moto elle saccade pas mal à bas régime, c'est pas extrêmement agréable. Et vous avez vu, il y a vite moyen de se faire avoir avec le rythme, parce que là, sans accélérer, je me retrouve vite à 60, et vraiment, j'accélère pas. Hein. Ma poignée de gaz, elle fait ça. Hein. Elle fait ça, et elle peut aller beaucoup plus loin. Bon, je vais pas le faire. Là, déjà, le petit coup que j'ai mis, ce qu'elle envoie, c'est... Je suis sûr que je peux la lever rien qu'à l'accélération, c'est même certain. Alors je suis pas un partisan de la roue arrière, mais je sais que là, le coup que j'ai mis, je le maintenais et ça levait. Là je peux y aller, hop, je reste à droite, je mets mon clignotant et on va aller à droite. Vous voyez, j'ai poussé même pas la 2 à fond, j'étais déjà à 110. C'est limité à 70. Donc vous voyez, quand vous avez des machines comme ça, il faut comprendre une chose, c'est que ouais, on prend plaisir, on envoie, et puis on envoie un peu plus parce qu'on en veut toujours un petit peu plus. Et puis à la fin, vous retrouvez à 150 en deuxième, et vous êtes même pas sorti de la ville. Et là, votre permis saute, la moto, vous la perdez. Et ça, je dirais que c'est le cas. Le bon cas, ça c'est le cas le moins grave, parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que on a une capacité d'accélération en moto, un truc tout simple, une moto qui fait 100 chevaux c'est banal, une voiture qui fait 100 chevaux déjà ça commence à être des voitures où les gens ils ont une voiture qui envoie un peu, sans aller dans l'exagération, c'est... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez une voiture qui fait 100 chevaux et qui fait une tonne, le rapport poids-puissance, il est de 1 sur 10. Quand vous avez une moto comme ça, qui fait aller avec le pilote, on va monter à 250 kg à tout casser, ça fait 100 chevaux, bah, le rapport, il n'est pas de 1 sur 10, il est de 1 sur 2,5. La capacité d'accélération, elle est 4 fois supérieure. La puissance, elle est 4 fois supérieure à une voiture qui fait 100 chevaux. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, un motard qui conduit, il comprend la capacité d'accélération. Mais ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que les autres ne le comprennent pas forcément. Et que des fois, vous allez démarrer, il va y avoir une voiture à un stop. Elle n'a pas conscience que vous allez arriver déjà aussi vite. Et ça, il faut être très tempéré pour éviter de rentrer dans des problématiques catastrophiques, tout simplement. Donc voilà, je sais pas combien de temps on a roulé là, en tout cas moi ça m'a fait bien plaisir, ça m'a fait du bien de rouler un petit peu.
La prochaine fois, j'aurai un peu plus de temps. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus en raglo avec des virages. Pourquoi je me place comme ça? Pourquoi je fais comme ça? Toujours est-il que pour les virages, moi je vous conseillerais juste une chose, vaut mieux arriver un peu trop doucement qu'un peu trop vite. Vous allez voir, les problématiques sont bien moins embêtantes à gérer. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que le retour son sera bon. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!